Le LG Optimus 4X HD est le dernier né de la marque LG. C'est un téléphone haut de gamme disposant d'un processeur quad-core Nvidia Tegra 3. Commençons par un petit tour de l'appareil. Sur la tranche gauche, le téléphone dispose de boutons volume. La tranche inférieure, quant à elle, dispose du connecteur micro USB. La tranche droite est totalement vide. Et sur la tranche supérieure, nous retrouvons le bouton Power ainsi qu'un jack de 3,5 mm. Au dos, l'appareil dispose d'un appareil photo 8 mégapixels avec flash, ainsi que d'une grille haut-parleur. Sous le capot, nous retrouvons un port SIM standard et un port micro SD. La batterie, quant à elle, est d'une capacité de 2150 mAh, lui assurant une autonomie correcte. Le téléphone tourne sous Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, ainsi que d'un noyau 2.6. Nous espérons bientôt une mise à jour sous Jelly Bean. Pour faire le tour de l'appareil, il est équipé de la LG Optimus UI 3.0, apportant des améliorations telles que la barre de toggle que nous retrouvons en haut de la barre de notification, complètement configurable, en choisissant la position des interrupteurs et les interrupteurs à afficher. En plus de cela, le launcher et le drawer ont été totalement refaits. Le drawer, par exemple, permet une infinite loop et est trié en catégories. La catégorie présentant toutes les applications, une catégorie avec uniquement les applications téléchargées et les widgets. Un bouton paramètres permet simplement d'accéder aux pages d'application pour pouvoir les désinstaller ou les réorganiser. Notons qu'une fois une application désinstallée, elle laisse un trou dans la page que nous pouvons combler tout simplement en l'organisant. LG a aussi refait pas mal d'applications, telles que l'application Alarme, permettant maintenant de faire des comptes à rebours ou des chronomètres, ainsi que l'application Agenda, très bien faite, avec son deuxième volet, permettant d'avoir le mois en haut et enfin en bas l'affichage au jour, à la semaine ou au planning. L'application lecteur audio, l'application lecteur musical de LG, est aussi refaite. Elle ne permet pas par contre d'utiliser le service en ligne Google Music, mais propose des options intéressantes telles que le Dolby qui n'est disponible que avec les écouteurs, l'accès rapide à l'album, le bouton volume par exemple aussi. Mais surtout dans toutes les. Elle propose aussi par exemple dans ses paramètres des effets audio, un minuteur pour arrêter automatiquement le lecteur audio au bout d'un certain temps. L'application est bien faite, propose une bonne qualité de son. On retrouve le multitâche d'Android 4.0. Vous noterez que le multitâche est utilisable avec le bouton Home appuyé longtemps car l'appareil ne dispose pas d'API de multitouche. De bouton multitâche, pardon. Donc l'appareil est NFC et est fourni avec deux tags. Un tag mode voiture et un tag mode bureau. Donc il vous suffit pour cela juste d'activer le NFC dans les paramètres. Puis de faire venir le téléphone en contact avec le tag. On note que le NFC est bien activé dans la barre de notification. Essayons donc avec le mode voiture. En posant le téléphone, il se met automatiquement en mode voiture, où on retrouve les grosses icônes pour pouvoir naviguer facilement. Une deuxième tape comme ça permet de désactiver le mode. Ensuite, le mode bureau. Quand on active, là on voit que dans la barre de notification apparaît l'indicateur du mode bureau. Les modes sont totalement configurables et permettent de créer des profils activant ou désactivant certaines fonctions du téléphone à la demande. De même, pour éteindre le mode, il suffit de reposer le téléphone sur le tag. LG propose aussi un mode économie d'énergie. Mode qui, si vous l'activez, vous permet de choisir des options à activer une fois un seuil de batterie atteint, permettant d'économiser l'énergie en fin de vie de la batterie.
On notera que LG a aussi apporté quelques modifications sympathiques, comme l'utilisation, le pourcentage de piles affiché dans la barre de notification, et bien sûr l'utilisation de batterie, qui étrangement est assez sommaire par rapport à celle proposée dans Ice Cream Sandwich, mais qu'on peut retrouver par exemple en passant par le widget Android, non, batterie widget Reborn, qui prouve bien que la fonction est toujours présente. LG ajoute aussi quelques thèmes permettant de customiser le téléphone. Il suffit donc d'aller dans le mode thème et de choisir le thème que l'on souhaite. Le thème modifie essentiellement les fonds d'écran et les icônes. C'est long. Voilà. On note que les modifications sont assez sommaires. Autre chose intéressante, LG ajoute un mode qui s'appelle Quick Memo, totalement inspiré de son LG Optimus View, qui lui-même est inspiré du Samsung Galaxy Note. Ce mode permet de choisir avec différents traits, différents types de stylos et de couleurs, de prendre des screenshots de l'écran actuel du téléphone pour pouvoir les customiser, écrire dessus et compagnie, pour pouvoir ensuite les partager facilement via toute la ribambelle de services dont vous disposez sur votre téléphone. Pratique pour faire passer un message ou une carte à un ami. Voilà, c'était le LG Optimus 4X dont vous pouvez retrouver le test sur androidpourlesnuls.fr. Merci et à bientôt.